Les Français qui ont travaillé dur toute leur vie pour avoir cette petite maison, ce petit appartement, cette petite ferme en Eure-et-Loir, dans la vallée de l'Eure ou dans le Perche, et qui se disent, bah, en fait, j'ai travaillé à la sueur de mon front pour obtenir ce bien immobilier, et j'ai quelqu'un qui s'y installe, et le droit ne me protège pas, mais de qui on se moque ? Droit au logement, c'est pas droit au squat. Voilà. Et précisément, dans le cadre actuel de la loi, déloger des squatteurs et restituer un appartement ou une maison à son légitime propriétaire n'est pas facile. Certains occupants, on vient de le voir, en tirent avantage, mais la législation pourrait très rapidement changer. Les députés ont adopté hier un amendement qui permet de mieux protéger les propriétaires de résidences principales ou secondaires. L'amendement vise donc à clarifier la notion de domicile. On parle de tous les locaux à usage d'habitation qui concernent donc le domicile principal, mais aussi votre résidence secondaire et occasionnelle. Il n'y aura plus de doute sur le fait que votre résidence secondaire est bien concernée par cet article de loi. La loi pourrait bientôt changer avec une procédure administrative raccourcie. Les préfectures pourraient décider en 48 heures d'une expulsion et l'exécuter 24 heures plus tard. Actuellement, les délais sont imprévisibles, parfois plusieurs mois. Un changement proposé par ce député. Quand il s'agit de rentrer chez vous dans votre domicile principal ou dans une résidence secondaire qui vous appartient, vous n'allez pas attendre, en tout cas il n'est pas normal que vous ayez à attendre des mois ou des années avant de pouvoir le faire. On assure les missions régaliennes de l'État et c'est notre boulot de le faire. En tant que législateur, c'est mon boulot de le faire. On n'est pas aux États-Unis ici. Le droit de propriété, c'est un truc, en France, on s'en fout. Hein. Vous avez entendu dans cette vidéo, les squatteurs, ils sont chez eux, quoi, dans cette maison qu'ils squattent. Je ne pense pas du tout. Je pense que le droit de propriété, c'est un droit qui est constitutionnel, qui est préservé par notre Constitution, qui est même préservé par notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est une valeur absolue sur laquelle il ne faut pas transiger. Dans la mentalité française. Bah écoutez, on va pas généraliser, je pense qu'il y a énormément de personnes, vous savez, qui sont attachées au droit de propriété et qui, moi, m'écrivent en tant que député pour me dire faut changer la loi parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Il ne s'agit pas de révolutionner ou de déséquilibrer le droit applicable sur les sujets sensibles, mais bien de donner des outils juridiques nécessaires à la résolution effective, concrète, rapide de ces situations qui sont insupportables. Je vous remercie. Et donc, je mets aux voix l'amendement 695 du rapporteur avec avis favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté à l'unanimité. À l'unanimité. Bravo.